Alors, sur ces modèles, pour rallumer, sur ces vieux modèles de chaudière frisquet, pour rallumer la chaudière, on va venir appuyer sur ce bouton-là. Là, on a le bouton du piezo. Ça a permis d'allumer la veilleuse qui est ici. On laisse appuyer entre 30, 40, 50 secondes. Ça va vraiment dépendre des chaudières. Ça va vraiment dépendre des chaudières. Si vous voyez que la flamme s'éteint à chaque fois, n'hésitez pas à recommencer le procédé. Et une fois que ce sera bon, vous allez relâcher délicatement. Et là, la chaudière va partir. Si jamais vous voyez que la flamme ne tient pas ici, n'hésitez pas, là, les deux petits fils qui sont ici, parfois on a des faux contacts, n'hésitez pas à les tripoter un petit peu, ça pourra vous aider à la relancer. Donc voilà tout.